En quoi? Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today, the chamber continues to hear the remaining testimony of witness Bracon. La déposition du témoin Bracon. Begins hearing testimony of another witness. Et commencera. That is to TCW 808. Le témoin de TCW 808. However, before we proceed with hearing the testimony of the upcoming witness, avant d'entendre la déposition de ce prochain témoin. Proceeding to hear responses from parties to Anuji's request to postpone the trial proceedings for a period of 4 weeks. Aux fins de suspension d'audience pendant 4 semaines. The updated list of S21 prisoners by Office of the Co-Investigating Judges. And we will also discuss this matter as well as related documents related to the updated list. Ms. Ji Su-Huang, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Le greffe veut-il faire état des parties et autres personnes à l'audience? Mr. President, for today's proceedings, le greffier. All parties to this case are present. Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. Monsieur Nunjia est présent dans la cellule temporaire du sous-sol. Il a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. The waiver has been delivered to the greffier. Le document de renonciation a été remis au greffier. The witness who is to conclude his testimony today, that le is Mr. Bracon, as well as Mr. Mombroti, his duty counsel, present in the courtroom. We have a reserve witness today, namely through TCW 808, who confirms that through his best knowledge, he has no relationship by blood or by law to any other two accused, that is no G or accused of all. Aucun des accusés ne tient que son prénom. Ni avec l'une quelconque des parties civiles constituées dans le dossier. The witness will take an oath this morning before the Iron Club statue. Le témoin prêtera serment ce matin devant la statue en barre de fer. Mr. Sauvan is his duty counsel. Thank you. Maître Sauvan est son avocat de permanence. The chamber now decides on the request by Nunji. The chamber has received merci, a waiver from Madame de Greffe. La Chambre va statuer sur la requête de Nunchia. En effet, la Chambre a saisi une requête de Nunchia en date du 2 mai 2016. And back pay, par lequel he cannot sit or concentrate for law in order to effectively participate in future hearings. He requests to waive his presence at the 2 May 2016 hearing. Audience. He advises that his counsel advised him about the consequences of il this waiver that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried il fairly or to challenge evidences presented through or admitted by this court à son droit at any un procès time équitable, during et à son droit de remettre the trial. En tout élément de preuve versé au débat ou having seen the medical report of Nunji by the duty doctor for la the accused at the ECCC dated 2 May 2016, en date du 2 mai 2016, Nunji has a chronic back pain when he sits for law and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nunji his request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs that Nunji can follow. That applies for the whole day. Et cette mesure est valable toute la journée. And the chamber now hands the floor to the defense teams. La chambre passe la parole aux équipes de la défense. And the defense teams are reminded that you have la chambre up to 11 o'clock this morning to put questions to this witness, and that applies to both defense teams. You may proceed. Et cette mesure s'applique aux deux équipes de la défense. La défense a la parole. Thank you, Mr. President. Good morning, merci, Your Honours. Président. Good morning, Counsel. Bonjour, honorable juge. And good morning, Mr. Witness. Bonsoir à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le Témoin. Let me start my questions.
with following up something you said last week. Des questions de suivi par rapport à ce que vous avez dit la semaine prochaine. Interrogation of John. En rapport avec l'interrogatoire de John. At 12 hours, 28 April 2016. You said regarding 2016, John, whom I personally interrogated, vous avez dit en torture was inflicted John, upon him, although it was at a minimum. Lui ont été infligées, même si elles étaient minimales. Further down, un a peu bit, plus loin, at 14.19, you said the way that I beat him, that was a form of torture, and that is the hot method. Je l'ai frappé, et c'était une forme de torture, car il s'agissait de la méthode chaude. I checked also the Khmer transcript. J'ai également vérifié la transcription en Khmer de ce que vous avez dit. And in both instances, you used the word Tiarunakam, le terme Tiarunakam. That word Tiarunakam, was that ce you, terme, was that word generally used within est-il un terme S21? Généralement utilisé à S21. President, Mr. Prakon, le président. Have you listened to the question? Monsieur Prakon, if so, please respond. Avez-vous entendu la question? The counsel si oui, veuillez répondre. Stated that you used the word Tirunakam in Khmer or torture, a dit que vous avez utilisé le which terme is a legal term, and whether the word Tirunakam or torture was commonly used at S21, est-ce que, la torture était or whether there was an S21. Order from the upper echelon to mist it. Prisoners to confess, or whether the word Tirunakam or torture was ordered during your work at S21 prison. À la prison S21, le témoin. I apologize, Mr. President. Just then, I could not see the red light on the tip of the microphone. Le Président, in fact, the word Tirunakam or torture was commonly used en effet, la at S21. Communément utilisé ou pratiqué à S21. Regarding this word, Tiarunakam, en ce qui concerne ce terme, Tiarunakam, at 27 April last week, at around le 27 avril la semaine dernière, 14:05, à 14:05, the president of the trial chamber le président de la chambre de première instance a fait word. Une remarque générale sur l'utilisation de ce terme. Et il a dit ce qui suit. And I will quote him literally. Je vais le citer littéralement. That could be a discrepancy in the use of the language. Il pourrait avoir une disparité dans l'utilisation de la langue and for that reason, ou du terme counsels, en langue anglaise et en langue khmer. Pour cette raison, maître, il faudrait vous en tenir à l'utilisation de d'autres termes, par exemple le traitement inhumain et dégradant, car le terme Tiarunakam en khmer is really ou, common in the Khmer context. La torture. For example, le terme générique pour désigner la torture est courant we en khmer. Also par use exemple, the same word Tiarunakam. And that could not be legally defined as torture. Discipline son enfant, so the word has been invited within the behavior and tradition and culture of Cambodia. Torture. Ce terme est donc communément utilisé dans la tradition et la culture cambodgienne. Mr. Witness, I would like you to react to the words of the president. J'aimerais, Monsieur le témoin, que vous réagissiez à cette remarque du président, notamment à l'exemple qu'il a donné. Lorsque le père discipline son enfant, l'on parle également de Tiarunakam. For my personal understanding, that term is a common term. D'après ma compréhension, ce terme est un terme courant.
And in the Khmer context, we use two words, that is thruba, that is ill treatment, and thrudronakam, that is torture. But do you remember in those years, between 75 and 79, the word thrudronakam could also be used for disciplining a child? Who did not obey the orders of the father? Lorsqu'on disciplinait un enfant qui n'obéissait pas aux ordres de son père. I do not have a thorough understanding in terms of comparing the word thrudronakam to the beating of a child by the father. However, if there is the case, then we can say the father thrudronakam or torture to the child, which is a common term. Si tel est le cas, je dirais que thrudronakam est un terme commun qui pourrait également s'appliquer à la discipline. Intervention de la juge Fens. J'apprécie cette discussion qui est intéressante, mais il faudra que l'on ne se perde pas en traduction. Si votre point est que la torture signifie également la discipline exercée envers un enfant, il faudrait préciser ce que vous entendez par discipline. Est-ce une simple tape, par exemple, serait-elle considérée comme la discipline ou alors une bastonnade en bonne et due forme? Merci, Madame la juge de la Défense. Monsieur le témoin, qu'entendez-vous par discipline? Quel type d'actes peuvent tomber sous le coup de discipline exercée par un père et qui pourrait être comparé au terme thrudronakam? The act by the father to the child, to my understanding, un acte de discipline exercé par un père envers son enfant. When a father disciplines a child or tortures a child, to my understanding, I have the same perception, and I cannot tell you much more than that. Pour moi, il serait considéré comme un acte de torture. I understand. Pour moi, les deux sont équivalents. Let me move on to, c'est la compréhension que j'ai de ce terme. The interrogation of John. La défense. Je vais passer à un autre point, à l'interrogation de John. Interrogation already last week. La semaine dernière, je vous ai posé beaucoup de questions sur son interrogatoire, et je vais you said at 14:12, vous poser d'autres questions de suivi. Vous avez dit que thrudronakam was inflicted upon him, although it was at a minimum. Ou des actes de thrudronakam étaient infligés contre lui, même si c'était des actes de torture minimales. Et à 14h12, vous avez dit, j'ai utilisé des branches d'arbres situées non loin pour le frapper, frapper ses jambes, ses mains, ses bras et son dos. John was in severe pain. Vous rappelez-vous si, après l'avoir frappé, John éprouvait de graves douleurs? I can recall that I threw three branches to beat John. Of course, avoir it was des painful for him. Pour battre John, pour le frapper, since bien sûr, I c'était was, douloureux beating pour him. Lui. And it is typical when somebody is beaten, the person is in pain. Car c'est normal qu'une personne éprouve des douleurs lorsqu'on le frappe, lorsqu'on la frappe. Start bleeding. Question. After you beat him. Est-ce que John saignait après l'avoir frappé? Après que vous l'ayez frappé, saignait-il? When he was bitten with small tree branches, réponse, he was not bleeding. However, de petites branches d'arbres, mais we ne saignait could pas. See the marks toutefois, from the beating on pouvait voir les marques, the skin. Les marques laissé par les coups sur sa peau. Break his hands, question. His feet. Did he break any limbs of his body? Est-ce que John avait cassé des membres de son corps, des bras, une jambe peut-être?
une quelconque partie de son corps. Allow me to clarify again. There were only a max of the three branches between. Réponse. Je vais éclaircir ce point. Après l'avoir frappé, il n'y avait que des marques et des traces laissées par les coups sur son corps. Just to make sure there's no misunderstanding. Je comprends. J'aimerais juste m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Or did he become unconscious? S'était-il évanoui? Avait-il perdu connaissance sous les coups? No, he did not become unconscious. Réponse. Non, il ne s'était pas évanoui. Was it at any point in time for you necessary to stop the interrogation and to call a medic? Avait-il été nécessaire à un moment donné d'interrompre John? L'interrogatoire et d'appeler un infirmier pour traiter John, pour le soigner? But not me, no. No. Réponse non. Those marks from you hitting him with tree branches. Les marques de coups laissées par les branches d'arbres sur son corps avaient-elles laissé des cicatrices permanentes? The marks would disappear within a day or two. Les marques s'estompaient. And allow me to confirm that at S21, medics only would treat the prisoners if there were open wounds from the beating. But if there were only rashes or red marks from the beating of tree branches, the prisoners would not be treated by medical staff. De simples marques laissées par thank you, Mr. Witness. Les instruments let me utilisés, follow up, alors les infirmiers ne soignent pas les prisonniers. Showing you a document. Question. Je vais vous présenter un document en guise de suivi. Document E3/8368. Monsieur le Président, je voudrais présenter au témoin le document E3/8368. That is in English translated as document called Statistics List of Special Branch S21. List of Special Branch of S21. The year-end numbers are 0 in Khmer, 0000 7445 and following. 445 English en anglais, 0022 5379 and following. 5379 French 0027874 and following. 744 et suivant. Yes, you may proceed. Oui, vous y êtes autorisé, dit le président. Mr. Witness, you have been quite extensively Monsieur asked questions about this very document. On vous a longuement interrogé sur ce document. The lawyer of Duyck asked you all kinds of questions. L'avocat de Duyck vous a posé toutes sortes de questions. And I will follow up on those questions. But if you have a look et at je vais the suivre orange, dans ce sens. Underlining, marking in the document. Regardez dans le document, the surlignage orange. Il s'agit des extraits full by the lawyer of Duyck. Qui vous ont été lus dans leur intégralité so par l'avocat de Duyck. If you could have a look at the orange excerpts. Veuillez vous reporter à l'extrait surligné en orange. President, Duty Counsel Montbertier, please assist the witness to see the relevant segment à retrouver l'extrait pertinent so that he can understand it and respond to the question. Pour qu'il puisse en prendre connaissance et répondre à la question.
Judge Laverne, you have the floor. Le juge Laverne a la parole. Oui, nous n'avons pas la chance d'avoir l'extrait surligné, donc j'aimerais savoir comment la Chambre ou les parties peuvent identifier l'extrait. So I'd like to see how the Chamber or the parties could identify the segment in question, since we haven't seen it underlined. Yes, I was anticipating that question, Judge Laverne. The excerpts that I highlighted Monsieur are coming juge, from E3/7464. That's the transcript of 22 July 2009. And it starts at around 1400, à partir where de 14 heures. Duic's lawyer, François Roux, starts asking questions avocat de Duic, about des questions. This very document. Sur ce and it même goes document. On all the way until l'interrogatoire se poursuit jusqu'à 14:18, 14:15. Jusqu'à 14h18. 14h18 à 14h50. But yam pu samnu dae banchak aw yam chlai ni kue regarding your question. Le témoin. I can say that there is the opinion and the instructions from en ce qui concerne votre question, je dirais qu'il s'agit ici des instructions. While I was there, I actually applied all the instructions from Dutch. Pendant que je travaillais au centre, and that's his instructions je that he gave to us, to all the interrogators during the study session at S21. Qu'il donnait à tous les interrogateurs dans le cadre des séances de formation menées à S21. And he also instructed us how to interrogate. Il nous a donné des instructions sur la manière de mener un interrogatoire, that is a one or two page summary sur la manière of de faire un résumé des mention the important points on the summary so de that façon he can à ne garder it. Que l'essentiel pour qu'il puisse les examiner. Mr. Witness, because of time, I will not repeat all the excerpts question, pour des raisons de temps, je ne vais pas relire les extraits. Qui vous avait déjà été lu par l'avocat. Et comme le juge l'a dit, vous avez convenu first, de tout ce qui vous avait été lu. Mais je ne pense pas que vous avez présenté le document en tant que tel. Maintenant, vous avez le document sous les yeux. Reconnaissez-vous l'écriture presumably one of your colleagues. Ou la calligraphie de ce document comme étant l'écriture d'un de vos collègues. But the sword is what I'm scroll to the sword what mom night. To my recollection, the handwriting belongs to Mom Nai alias Chan. À mon souvenir, c'est l'écriture de Mom Nai alias Chan. And why is it that you say that? What makes you recognize his handwriting? Pourquoi le dites-vous? Qu'est-ce qui vous conforte dans cette affirmation qu'il s'agit bien de son écriture? I used to see this handwriting. J'avais l'habitude and, de voir cette écriture. It is the handwriting of Kang Gek-il. It is more complicated and difficult l'écriture to read. De Kang Gek-il but Mom Nai's handwriting is neat lire. And mais easy to read. L'écriture de Mom Nai est nette et plus facile à lire. Now let me go to something that I would like to ask you specifically. Je vais maintenant aborder maybe, un point sur lequel the standby counsel can assist in finding the exact page. L'avocat de permanence veut peut-être aider le témoin à retrouver la page, les pages pertinentes to, en Khmer, Monsieur le Président. Je me réfère à l'URN en Khmer, 00057. English 00225388 and French 00278752. Au ZRN en Khmer 00006458, en anglais 00225388 et en français 00
27, 27, 52. For standby council, I believe it is highlighted in orange or yellow. C'est les URN correspondant aux pages surlignées en jaune ou en orange. L'URN en Khmer se termine par 58. Mr. Standby Council, is one of those orange tabs. Monsieur le témoin, il s'agit de l'intercalaire en couleur orange. Well, President, Duty Council, please refer to the EAN number ending with 58. Maître, est-ce que vous pouvez vous reporter à l'URN terminant par 58 en Khmer? And please, you should also notice the tab, the yellow tab at the side. Recherchez également paper. L'intercalaire en orange sur le côté du document, à l'extrémité du document. Dit le président à l'attention de l'avocat de permanence. Go ahead. Duty Council, Mr. President, I cannot find page 58. I saw highlights on the other pages. President, court officer, please take the document to the Defense Council and show whether that relevant page is highlighted. If not, inform the chamber. I'm not able to read Khmer, but I'll read it to the witness if that goes faster. 50. Mr. Witness, it says on that page directions. It's a chapter called Directions in Improving Work. Du chapitre instructions. It says one, use politics as the basis. Utiliser la politique comme élément de base. Deuxièmement. To examine and compare the responses consciously before, in English, torturing, avant de torturer, and point three, et troisièmement, and that is a question that I would like to ask you about, respect organizational discipline when interrogating. La discipline for de example, do not beat if not instructed to do exemple, so, ne pas and must coup consider sans avoir the health issue before beating. Et tenir do not do anything other than what was instructed. Ne rien faire d'autre que ce qui a été my question is in relation to going to relation to point three, Mr. Witness. J'attire votre attention when sur le point interrogating John, quand vous avez interrogé John, did you consider the health issue est-ce que vous avez before pris en considération you beat him with a son état de santé tree. Avant trench. De le frapper avec une branche d'arbre. But réponse. Answer. The health issue of Chon at the time was good. À l'époque, Chon était en bonne santé. However, at the time,
there was a rule or regulation of Deutsch unless we had the permission or regulation from Deutsch, I could beat the prisoner. On ne pouvait pas frapper le prisonnier. A little further down in that same document, Mr. Witness, in Khmer, page 65 at the end, 00074650, French 00275650, in English 00225391, it says on the chapter Views and Stances on the Enemies whom the party have arrested, it says, concernant les ennemis arrêtés par le parti, confess to the party in order to live and not die in place of their leaders. Avouer, make them think pour of their wives and mourir, children. Leur faire penser à leurs femmes et enfants. Fin de citation. When you interrogated John, did you make him think of his wife and children? Quand vous avez interrogé John, est-ce que vous l'avez fait penser à sa femme et à ses enfants? But that was the method of interrogators that they used the political pressure. That was the technique, and also was the technique was also to allow the prisoners to think of the wife and the children of them, so that they could give the confession. Pour ensuite que le prisonnier avoue. La défense. Mr. President, in light of the answers just provided by the witness, réponses du témoin, also in light of your considerations in the judgment, de ce qui figure dans votre jugement, notamment 2.441. Paragraphe 241 et le chapitre 2 également, 2.7.1.2, paragraphe 484. Compte tenu de tout cela, nous allons soutenir, nous le faisons déjà, que les aveux de John n'ont pas été obtenus sous la torture. The witness describes les coups such, évoqués par le témoin pourraient peut-être under, faire partie de traitements inhumains et dégradants, mais même ça, ce n'est pas évident. Et compte tenu des réponses du témoin, document that I just showed him, par rapport au document que je lui ai montré, compte tenu aussi de la décision de la Chambre de la Cour suprême quant à la probabilité que des personnes soient torturées, je pense qu'on en est arrivé au point où je peux utiliser les aveux de John et poser des questions ayant trait à la teneur même des aveux de John, document E3/1549. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Good morning, bonjour à toutes les parties. Your honors, good morning to all voilà parties. Une nouvelle tentative de revenir again, sur ce débat qui n'a pas encore été tranché. Aujourd'hui, la Chambre recevra les écritures today, de différentes parties, the chamber will receive notamment the submissions of the various ce que nous allons répondre including à la requête qui avait été formulée par la défense de Nunchia concernant d'autres confessions, d'autres aveux. Je voudrais simplement dire très rapidement, d'abord, il y a une présomption que la torture a été appliquée, c'est ce que la Chambre de la Cour suprême a déjà dit. Deuxièmement, ici, le témoin faisant partie du groupe de mastication, il nous a dit que la plupart du temps, les personnes qui lui étaient référées avaient d'abord été interrogées par le groupe froid ou bien par le groupe chaud. Ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout certain, Monsieur le Président, que des moyens de pression de type psychologique ou physique n'aient pas déjà été utilisés contre
Chon avant même que le témoin ne puisse l'interroger. Deuxièmement, toutes les questions de la défense ont porté essentiellement sur le premier jour d'interrogatoire de Chon, ne s'étendent pas, il me semble, sur l'ensemble de son interrogatoire, et l'on sait, selon le dossier, qu'il y a 600 pages d'interrogatoire de cette personne. Donc je ne crois pas qu'il puisse être conclu sur base des réponses. I don't think we can application de traitement qui rentrerait dans le champ de la définition de la Convention contre la torture, qui, rappelons-le, ne concerne pas uniquement des tortures de type physique, mais également de type mental ou psychologique. Et c'est d'ailleurs sur ce point que nous soutenons, et vous aurez nos écritures aujourd'hui, que ce type d'interrogatoire, étant donné les conditions de détention des détenus, on l'a bien dit, soit dans des cellules individuelles, attachées par les pieds, sans pouvoir bien dormir, dormant au sol avec très peu de nourriture, soit dans des cellules collectives, mais toujours avec ces conditions de détention extrêmement dures, avec la crainte, bien entendu, de mourir à tout instant, avec les cris que l'on pouvait entendre d'autres personnes qui étaient soumises à des traitements chauds, et généralement, simplement le fait d'être à S21 dans ces conditions-là, et on vient encore de l'entendre, il y a des pressions psychologiques qui étaient exercées contre tous les prisonniers en faisant état, les faisant penser à leurs femmes, à leurs enfants, au sort qui pouvait être les leurs, à leurs souffrances, etc. Tout cela fait en sorte qu'à notre sens, il y a bien évidemment, y compris dans ce cas-ci, risque de torture, reasons, et il n'a pas été démontré par la défense qu'il n'y en avait pas eu. Dès lors, je demande qu'on ne puisse évidemment pas utiliser le contenu des aveux de Chon à cette audience, and ni so plus tard. We cannot use the contents of the confessions of Chon during these proceedings and later. Merci. Merci, Monsieur le Président. De courtes observations parce que le procureur a dit en substance ce que j'ai souhaité dire. Nous nous opposons à l'utilisation de cette confession. Nous estimons que la défense n'a pas rapporté la preuve que le risque de torture n'était pas réuni en l'espèce. Nous insistons sur la question de la torture morale et nous insistons sur le fait que la Cour suprême, dans sa décision sur la question de l'utilisation des confessions de S21, a rappelé qu'il régnait à S21 un climat de crainte extrême et que cet élément est bien évidemment à prendre en compte quand vous aurez à vous prononcer sur l'existence de torture à S21. Torture qui va bien au-delà de la simple torture physique, comme l'a rappelé notre collègue du bureau des coprocureurs, mais qui s'étend aux tortures causant une souffrance morale. Donc, nous estimons que la preuve de l'absence de risque n'a pas été rapportée par la défense. Nous sommes en train de déposer devant la Chambre notre réponse à la requête sur de l'article 92 de notre confrère sur l'utilisation des trois confessions qu'il souhaitait utiliser. En ce qui nous concerne, la défense ne doit pas être autorisée à utiliser cette confession aujourd'hui. The defense should not be authorized to use the confessions of this witness. If I may respond, la défense, briefly, j'aimerais brièvement répondre, Monsieur le Président. Conditions or the criteria or the requirements for the definition les critères of torture permettant de déterminer s'il y a ou non torture comme énoncé dans la Convention sur la torture n'ont pas été remplis du tout. Il s'agit d'une définition très large que celle utilisée par l'accusation et la partie civile. Il est question d'un climat de peur, mais ces conditions ne font pas partie des critères pertinents. Je vous ai déjà renvoyé au jugement, paragraphe 484. Je vais en donner lecture. Il s'agit de l'implication personnelle de Doig dans les mauvais traitements infligés. Je vais citer.
la Chambre relève que certaines des déclarations faites par l'accusé au procès concernant son implication dans la torture ont été ambiguës ou contradictoires. La Chambre n'est toutefois pas convaincue que des coups de pied ou des coups aient été prouvés selon le niveau requis, ni encore que les coups auraient provoquer des douleurs de la gravité nécessaire pour qu'on en conclue à l'existence de torture ou autres actes inhumains. Fin de citation. Traduction officieuse. C'est un exemple très clair qui nous montre comment il convient d'interpréter certains comportements, en l'espèce le comportement de Duke. Nous soutenons que les traitements, le traitement de John était bien loin de correspondre à ce qui est décrit au paragraphe 484. Et encore une fois, les critères pertinents n'ont pas été rencontrés. Je pense donc pouvoir poser des questions précises sur Khoytoun et le plan de coup d'État de 77 tel qu'évoqué dans les aveux de John, aveux recueillis par le présent témoin. La juge Fentz, encore quelques questions factuelles sans entrer dans le débat juridique. Pouvez-vous nous rappeler à quelle fréquence John a été interrogé? Regarding the interrogation of John, I cannot recall how many times I interrogated him, but John. I recall that I completed the interrogation of him. Mais j'ai mené son interrogatoire jusqu'à son terme. If I understood you la correctly, si it was more than once. Vous l'avez interrogé but plus d'une fois. Misunderstand? À moins que je ne vous ai mal compris. But mentor. That is true. Réponse. More than one, but I cannot recall how c'était many times plus d'une I fois, interrogated mais je ne sais plus him. Combien de fois. I remember you told us that he wrote down a confession. Vous avez dit qu'il avait écrit ses aveux. He didn't like it, so he had to be interrogated again. Ça ne convenait pas. Il a donc fallu le réinterroger. Est-ce exact? Réponse. That is true. What c'est he exact. Was writing in the confession, it was not the dissatisfaction ses of me, but the upper agent or my superior was not satisfied plutôt, ce n'est pas with pas que moi, je n'ai pas été satisfait, mais bien mes supérieurs after qui n'ont I pas été satisfaits. And John j'ai envoyé les aveux à Chan et Duke, mes supérieurs. The dissatisfaction of them, ceux-ci after n'ont pas été contents. They were not satisfied with the confession. They et donc, an annotation, and after ils ont that the apposé des annotations confession sur le document, document was burned, and et later le premier document I a été brûlé. Re-interrogate et j'ai donc dû réinterroger cette personne. How did la you know Fence. What would satisfy your comment superiors? You said saviez-vous ce qui pourrait satisfaire vos supérieurs? Vous dites que les aveux initiaux ne how les ont pas satisfaits. C'est donc les aveux ont été renvoyés. Comment saviez-vous ce qu'ils voulaient entendre? Réponse. I know about it because after I sent the document, si and then there was no news or no returning parce que a document. So je n'ai pas eu de nouvelles après avoir envoyé it, le document. Was well done, but if a document il ne m'a pas was été renvoyé. Back to me, I had to interrogate the prisoner again, but I cannot tell si you for sure how many times I did the interrogation renvoyé, on that person. Je devais réinterroger la personne, mais je ne I sais understand. Pas combien de fois je l'ai réinterrogé. What la I Juffence, want to know je comprends is bien. In John's case, you got dans le cas the de John, back. The first one, les course, premiers aveux vous ont été renvoyés like parce que vos supérieurs n'étaient pas satisfaits. How did you know
what they wanted. Comment saviez-vous ce qu'ils souhaitaient obtenir? Or third or fourth. Comment saviez-vous à quoi devaient ressembler les deuxième, troisième aveux pour les satisfaire? Réponse. I know that the confession that I compiled was to their satisfaction, since they kept the confession, and I received a letter for interrogation at the people rather les aveux than étaient after satisfaisants that. Parce qu'ils ont gardé les documents et m'ont envoyé une lettre disant interroger d'autres gens après John. La juge Fence, apparemment, je ne me suis pas bien fait comprendre. Vous avez envoyé les aveux de John aux supérieurs, ils les ont renvoyés en disant qu'il fallait réinterroger la personne. Est-ce que vos supérieurs vous ont donné des consignes quant au type de questions à poser? Vous ont-ils dit, par exemple, nous voulons savoir si cette personne faisait partie de la CIA, par exemple? But the law, the réponse. They sent me a written note ils on the suspicious points, for instance. Concernant les points suspects. They may have asked me about the networks ils that the person exemple, was engaged in and that point needed en disant qu'il fallait creuser la question au cours de l'interrogatoire. So to be clear, la juge Fence. Donc, if you remember John, but generally, if a person hadn't talked about networks générale, originally, si une personne initialement n'avait pas parlé de back, réseau, le document d'aveu pouvait top, vous revenir saying, ask them about networks. Avec des consignes des supérieurs comme correctly? Quoi il fallait interroger le prisonnier sur son réseau. Est-ce bien le cas? But we have tried up réponse tracking down the network. Il fallait mettre au jour le in réseau an absolute manner. De façon absolue. Actually, that was not the point of the questions they wanted me to ask, but I was required to ask about the string or network of traitors. Je devais le découvrir en posant des questions sur les réseaux et les so filières. Donc, vos supérieurs vous ont demandé de poser ces questions, n'est-ce pas? But, answer, yes, that réponse, was the question. Oui. La juge Fence. Do you ever remember a case where a person did not talk est-il about networks after arrivé he had been qu'une personne interrogated ne parle again and pas again? De réseau après de multiples interrogatoires? Est-ce que cela s'est produit? I do not remember réponse, it. Je ne m'en souviens pas. I cannot recall it. About the interrogation, or in particular, that the interrogation that you asked. More easy. Was there ever a person who didn't confess? Question plus facile. Y a-t-il jamais eu un prisonnier qui n'aurait pas avoué après avoir été interrogé à de multiples reprises? Que les choses soient bien claires, je parle ici de votre expérience à vous. But the thing we réponse. Some prisoners confessed, certains and some prisonniers ont avoué did not. Et d'autres non. I did not. I was not able to get the confessions from all the prisoners. Je n'ai pas pu obtenir les aveux de tous les prisonniers. Said that they did not know about certains disaient what I asked, qu'ils so n'avaient aucune idée. Prisoners. What happened to et donc, those who cela didn't dépendait remember? Des prisonniers.
or who didn't confess. Question. Qu'arrivait-il à ceux qui ne se souvenaient pas ou qui n'avouaient pas? But réponse. Regarding the interrogation of prisoners after they did not confess, they would be si un prisonnier n'avouait pas, il était maltraité et torturé. Again, give us an example of what would happen to them. Pouvez-vous donner un exemple? In order to avoid que leur arrivait-il the loaded terms ill-treatment and torture, afin d'éviter les termes très connotés de mauvais traitement et de torture, concrètement, que leur avez-vous fait? For those who did not confess. I would si un prisonnier n'avouait pas, only the confession that the prisoners made after inquiry or after further interrogation, they did not confess. So il I would write the same thing as the previous et as si in the previous confession. Il n'y avait pas de changement. On répétait but le contenu des premiers aveux. If they didn't confess, la juge. We went on vous dites que si le prisonnier n'avouait pas, so il était maltraité et torturé. So tell us what you did to them. Concrètement, don't use the word que faisiez-vous? N'utilisez pas le terme de mauvais traitement ou de torture, you talked about mais meetings, dites-nous what else? Concrètement ce que vous avez fait. Par exemple, est-ce que vous les avez frappés? Judge Vance, you already testified that he didn't use le témoin a déjà dit interruption de la juge Vance. Ne m'interrompez pas, maître. Je sais qu'il l'a déjà dit, mais c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Maître Coppe, il l'a déjà dit. Le témoin. The prisoners did not quand un prisonnier n'avouait pas, further interrogate those prisoners je continuais by à l'interroger. By imposing further question, and if still not confessed si by the prisoners, le prisonnier n'avouait I would toujours use torture. Pas, je recourais à la torture. La juge Fence. What did you encore do? Une fois, que faisiez-vous concrètement? To them. Que leur faisiez-vous? Don't say torture, describe what you did. N'utilisez pas le terme de torture, décrivez ce que vous leur avez fait. But on peut dans le cas réponse. The acts or in torture I meant here quand je parle de torture present interrupts. Il s'agit des mêmes actes. Mr. Le Pond, président. In fact it is now controversial on the use of the word torture. Torture is le terme de torture the legal désormais fait polémique. Il s'agit d'un concept the word torture juridique. Is defined in the international la notion de torture convention. Est définie dans une convention and internationale. The question from Judge Fenn la juge Fenn vous pose une question qui concerne les actes concrets que vous avez commis used against the specific prisoners. Des so prisonniers. Could you describe the specific acts that you use in order to obtain or vous avez extract the confession pour from the prisoners? So what type of acts qu'avez-vous you fait, used concrètement? At the time? Answer. Réponse du témoin. The acts were beating and put the plastic bag on the head of the prisoner so that the prisoners were terrified and after that provided the confession. But sometimes those kind of acts were not successful in extracting the confessions. Mais parfois cela ne so the idea was to terrify, to use your words, the prisoner. La juge Fence, début de l'intervention inaudible. But that is true. Réponse, c'est exact. Two more questions. These relate to John now. One is very minor, but you were talking concernant about John, branches all the time. What kind c'est of un branches mineur. Are we talking about? Vous avez parlé de branches. Like de quel type de branches? Pencil quelle taille this size, avaient les branches? Six to seven centimeters. La taille de ce que j'ai ici en main. Can you give me an idea of what kind centimètres. Of branches we are talking about?
De quelle branche parle-t-on? Réponse. It's equal to the size of the pen, and if it is une branche as equal as de la taille the size of wrist, d'un I stylo, can say that it is a club, not a branch. Si and j'aurais utilisé un autre terme, bâton par exemple, to, severe wound, mais si on employait open une branche, cela ne provoquait pas de saignement ni that de blessures graves. The small stick c'était that un I used petit morceau time de bois que j'ai utilisé à l'époque. And last question, la juge you said you had order to vous dites avoir reçu l'ordre to think of their de dire aux prisonniers de penser à leur famille. Donnez-nous un exemple. What did you tell the prisoner? Qu'avez-vous dit aux prisonniers? What did you say? But during the interrogation, I would use the reasons that the wife and children were awaiting them je disais aux prisonniers their houses sa femme or et home ses enfants l'attendaient à la maison. The, and I would tell the prisoner that if they did not confess, je lui disais que when will pas, they had a chance to go back home to visit their family members. Il so ne pourrait peut-être the method pas rentrer was chez lui to deceive et retrouver the prisoners to il s'agissait give donc de berner le prisonnier pour en obtenir des aveux. Can you give me an example, a sentence you would have said question at that time? Donnez-nous un exemple de phrase que vous avez utilisée. But I don't remember the réponse. Sentence je ne me souviens pas I de phrase précise car cela remonte à bien I longtemps. Recall it well. Je ne m'en souviens pas bien. But the method was to use the mais psychological pressure la méthode and c'était bringing la pression up the psychologique issue of family members et l'on évoquait and la famille du prisonnier reminding the prisoners that a wife en and lui rappelant their children que sa femme are et waiting ses enfants l'attendaient so à la maison. So the method and the technique was to deceive the il prisoners de so that they provided the confession. Pour so en obtenir des it aveux was the deceitful act used at the time. And my last juge question, Fence, only if you can dernière answer it. Question, do you know si vous pouvez y répondre. Other prisoners knew what savez-vous happened to si d'autres prisonniers prisoners who didn't confess? Savaient ce qui was arrivait well à ceux qui n'avouaient pas? Prisoners population, est-ce que parmi les prisonniers, know cela était de notoriété publique? Réponse. On this particular point, prisoners were detained in different cells les prisonniers étaient far away from one another, so they did not know what kind of confession the one prisoner gave. They was not aware. They were not aware of other confession by other prisoners. I understand that they didn't listen to the confessions. Je comprends qu'ils ne but did they know what kind of treatment, aveux, as if you know, did they know what kind of treatment was handed out to people who didn't confess? Quel type de traitement était réservé à ceux qui n'avouaient pas? You don't know, tell me you don't know. Si vous ne savez pas, dites tout simplement, je ne sais pas. I don't know. Réponse, je ne sais pas.
Le président. The chamber decides. La chambre va rendre sa décision. Based on the confession of Chun, which is a document in case 002/02. En ce qui concerne les aveux de Chun, use it as the basis to question this witness. The chamber needs to review in details that document. Documents as well as responses from parties to the submissions by the defense counsel. We need to review that document in detail in comparison to the International Convention Against the Torture. For that reason, the counsel, you are prohibited from using that document to question this witness. À cet effet, maître, il vous est interdit d'utiliser ce document pour interroger le témoin. Following the submissions which we'll get today and the decision by the chamber, we decide that the document is allowed, we'll report. À la suite des réponses des parties aujourd'hui et après la décision de la chambre, the only thing I would like to have on the record is les parties pourront obtempérer quant à l'utilisation ou non de ce document. La défense. Which specific reference I'm talking about. J'aimerais préciser à la chambre quelle est la partie spécifique du document dont je fais référence. Le témoin n'a pas besoin d'entendre cette discussion et peut donc enlever ses écouteurs. J'aimerais dire à la chambre quel est le stress précis de l'aveu que j'aimerais présenter au témoin. Je fais contents of nous the confession before we've made a decision whether this is in line with de the torture decision. Pas présenter cette I understand, la but it, I'm not talking about networks. I'm talking about something very specific, and I think torture. It is important that the chamber understands what it is that I'm specifically asking questions de quel extrait précis je compte me servir dans l'interrogatoire du témoin. Oui, Monsieur le Président, c'était juste pour signaler à l'attention de la Chambre, puisque vous alliez examiner ces aveux, qu'il y a en plus des trois documents qui sont relatifs à ces aveux qui figurent déjà au dossier, donc il y a E3/3/0, il y a E3/1/5/4/9, il y a également E3/4/2/8/0. En plus de cela, si la Chambre a la patience ou le courage de lire 1759 autres pages d'aveux de cette même personne, elles sont disponibles en Khmer aux références 00226107/9. Et jusqu'à 00262638 ce ne sont pas des pages qui figurent au dossier à l'heure actuelle. Ceci dit, je constate simplement que les trois documents qui sont au dossier s'étalent entre février 77 et mai 1977, plus de trois mois. February 77 to May 77, so that's a period of more than three months. President, allow me to reiterate that the document is prohibited from being used as a basis to put question to this witness. Dans le cadre de l'interrogatoire, d'utiliser ce document dans le cadre de l'interrogatoire de ce témoin. Le moment est à présent important pour nous de prendre la pause jusqu'à 10h30. Huissier d'audience veut prendre soin du témoin ainsi que de son avocat de permanence et le ramener au prétoire pour 10h30, suspension de l'audience.